C'est peut-être un peu fort. Alors, le sanctuaire, il est où? Il est juste derrière. Sanctuaire, où es-tu? Où es-tu, petit sanctuaire? Il est là. Ouais, mais j'aurais pas dû en fait aller à l'auberge. Bah non, le sanctuaire, normalement, ça va me remettre full vie. Eh bah tant pis. Celui qui est fait, est fait. Tant pis. Bah, pour 20 rubis, on va pas pleurer non plus. Même si je suis pauvre, on va pas pleurer pour 20 rubis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ouvrir la voie. Ok. Raté. Re-raté. J'arrive pas à la voir. Donne-moi cette boule. J'arrive pas à la saisir au vol. Ok. Mais je crois que j'en ai vraiment besoin de cette... À moins que je l'attrape juste quand elle est devant moi. Hein. Enfin devant. Non, je crois qu'il veut pas. Hein. J'ai pas le temps de monter en vrai. Est-ce que vous croyez que j'ai le temps de monter? Ah, peut-être. Hein. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. On n'a pas le temps de monter. Remonte, Link. Remonte, 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 remonte. Non, faut vraiment que j'attrape ça. Ça ne passe pas. Et c'est chaud de l'avoir au vol, hein. C'est très très chaud de l'avoir au vol. Vraiment? Vraiment très chaud. Je n'arriverai jamais à la voir. Attendez, est-ce qu'on pourrait pas la figer? Ah si. Ah, attendez. Pour figer, ça a un peu plus d'allonge. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de moyen de la figer. Voilà, de là. Ah, ça a clairement plus d'allonge pour figer. Plus vite, Link. Plus vite. Ok, là-bas, il y a un coffre. Bah alors? Fige-moi ça. Ok, je crois qu'il arrive pas. Ça passe pas. Ah, si, ça passe. C'est bon, ça passe. Ça passe. Ah, épée de chevalier, ça c'est pas mal comme arme. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut balancer ou pas? Qu'est-ce qu'on a qui est nul? Ouais, c'est l'épée de chevalier, c'est ça, c'est du 26. Celle-là, elle va casser en vrai. On va l'acheter. Et on va récupérer l'épée de chevalier à la place. Ok.
Ok, on la suit. Non, bon, c'est bon. Ouh, c'était juste. Quoique là, en vrai, je passe large. Par contre, là, faut remonter. Oh, mais c'est chaud, là! Ah, ça passe d'ici. Ouh, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, ça passe, ça passe. Ça passe. Est-ce que cette boule ne serait pas suspecte? Cette boule est très suspecte, moi je dis. Oui, bah non, elle cache rien en dessous. Je sais pas ce qu'elle fait là. Mais genre... Genre elle bougeait pas quoi et je me fais taper par la boule. Bon bah voilà, il est fait le sanctuaire. Je pense pas assez à utiliser le truc du temps. Plus tendance à utiliser le pouvoir magnétique que le pouvoir temporel. Et je crois que ça nous en fait 3, encore un petit, et puis on pourrait avoir un petit cœur supplémentaire. Ok, en tout cas on est full vie, c'est bien, un sanctuaire de plus qui est fait, c'est bien. Je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'à la tour maintenant. Ouais, 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 ouais. La tour qui est là-haut. On pourrait passer par ce chemin et je pense que c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. Ça va nécessiter peut-être un petit peu d'escalade. J'ai tué un poulet. Volaille divine. Incroyable. J'ai tué un poulet. Un gros poulet. Mais un poulet. Bon. Bah, y a plus qu'à tout remonter. Il peut se mettre à pleuvoir. Ah si, il se met à pleuvoir. Quand il faut que j'escalade des trucs, il se met à pleuvoir. Sauf qu'en fait, on escalade tout le temps dans ce jeu. Ouh, c'est même de la tempête là, non? C'est de l'orage et tout. Ok, problème. Retirer. Ah. Retirer également? Eh, hey, je peux garder cette hache. Tout le reste, ça conduit l'électricité. Donc si on veut éviter de se prendre la foudre, eh ben, on retire tout. Eh ben oui. Comme ça, on est quasiment sans défense et on apprécie. Doucement avec la foudre. Hein. Ouais, vraiment que je me retrouve un cheval. Ouais, c'est déjà fini. J'ai retiré tout mon équipement pour 2 minutes. Ok, ben on va rééquiper ça. On va équiper celui-là parce qu'il est quasiment cassé. Et puis on va se rééquiper ça. Et puis voilà. Et ben on a bien fait de se rééquiper. Hein? Mais d'où?
Mais d'où le mec il fait tellement mal? Et merde, je tire à côté en plus. Mais ouais, je me le fais aux flèches explosives. Il fait beaucoup trop mal, ce con. Attends, mais je la récupère, ton arme. Ouais, je peux jeter ça. Mais non! Jette ça! Et prends celle-là. Ouah, et puis à demain. Et puis à demain, je suis pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan. On va garder ça. Hey, coucou Fencol, comment ça va? Eh, mais ces mecs, ils font quand même super mal. Hein. Ils sont trop easy, ils font mal. Hein. Ah, je mourrai pas aujourd'hui, c'est mort. Hors de question. Ça dit quoi les patons? Relais du sud d'Akala, lac d'Akala. Ok. Ah bah il y a du monde encore là-dedans. Et c'est la fête encore là-dedans. Non, via les flèches explosives. Quoique, je crois qu'il me faut au moins des flèches enflammées pour... Je suis loin. Je suis loin du tonneau. Tu peux utiliser parfait. À tout moment. Ça, c'était un beau tir. Là, ils ont eu mal. Et j'ai récupéré la prière. Ok, ça c'était un tir tout pourri. Lui il est mort. Il y a un sanctuaire là-bas au fond. Il y a des sanctuaires partout. Ça va, je suis tout juste en pause. Oh bah c'est cool. Profite bien de ta pause alors. Cool, je leur fais zéro dégâts. Ouais, et puis merde. Hein. Faut bien qu'on s'en serve, hein, de ces flèches. Bon, bah, je crois qu'on va y aller. Est-ce qu'on pouvait pas y aller discrètement? Et faire la colère. La colère du robot, ça. Costaud. Costaud le mec, hein. Et ben voilà. Un vrai jeu d'enfance, quoi. Eh, je l'ai, la colère turbo, ça, faut bien s'en servir. Ça, c'est de l'arme que j'utiliserai pas. Une grosse épée à deux mains. C'est pas mon truc. On pourrait pas le marquer ce sanctuaire là. Ah, il m'a l'air d'être un peu loin quand même. Ok, on a quoi dans ce coffre? Des flèches explosives. Eh ben écoutez, je prends. 5 flèches explosives, c'est un peu pas terrible quand même. Des flèches. J'ai vu un sanctuaire, mais c'est terrible. Là, il y a encore un sanctuaire. Aucune balise n'est disponible, j'ai plus de balise. J'ai repéré trop de choses. En vrai, en planant, on pourrait y être tellement...
on plane jusqu'à lui, on y est quasiment. Ah non, non, on va essayer d'aller... Oula. Je vois des choses qui ne me plaisent pas au niveau de cette tour. Non, mais c'est juste que j'en ai plus de disponibles, de balises. J'ai des balises partout. À quoi que celle-là, c'est vrai que je peux la retirer. Celle-là, elle me sert plus. Modifier. Effacer. On va la mettre sur le sanctuaire. Alors, attendez, il est où le sanctuaire? Ouh là 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 là. Ouh, je crois qu'il n'y a plus cette... cette tour. Ouh. Oui, ça sent pas bon la tour. Ok, on va peut-être essayer d'aller aider le monsieur. Non, par contre, arrête avec les flèches explosives, faut pas abuser non plus. Ok, j'ai réussi à le rater, c'est incroyable! Et mon arc est cassé? Mon arc? Oh, ça va, j'ai encore ce qu'il faut en arc. Ok, il est mort. Genre, il est trop content parce qu'il l'a eu. Allez, approche si tu l'oses. Mais je veux pas me battre, moi. Sais-tu ce qu'est cette espèce de château là-bas? C'est la forteresse d'Akala. Il y a fort longtemps, quand le royaume d'Hyrule était encore florissant, cette forteresse a été bâtie pour protéger la région d'Akala, on la disait imprenable. Mais lors du grand fléau, suite à la chute du château d'Hyrule et à la disparition du roi et de la princesse, l'armée d'Hyrule n'eut pas d'autre choix que d'établir sa base ici pour y livrer son ultime bataille. Mais ils n'ont pas pu contenir l'attaque massive des gardiens hors de contrôle et la forteresse finit par tomber elle aussi. En d'autres termes, ce fut le dernier endroit du royaume d'Hyrule à être détruit. J'ai entendu dire que mon ancêtre avait trouvé la mort ici et je voulais m'y recueillir. Mais comme ces gardiens sont toujours en état de fonctionnement, je ne pense pas pouvoir aller plus loin. On dit que jamais personne n'a survécu après avoir été repéré par un gardien. Tu ne m'as pas l'air d'être quelqu'un d'imprudent, mais surtout reste bien sur tes gardes. Ça va être compliqué d'aller là-bas, on dirait. Bah allons-y, hein. Soyons fous. Allons-y. Au pire, on va mourir. Suffit de pas se faire repérer, d'y aller de façon discrète et puis on est bon. La discrétion. Discrétion. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. On va mourir. Non, discrétion.
C'est bon, là, tu peux reprendre ton énergie. Allez, escalade, Link. La tour est encore très loin, mais tu vas y arriver, Link. J'ai foi en toi. Ok, pour le moment, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Et on peut escalader, on va pas suivre le chemin où il y a plein de mobs. Hein. Eh, on peut se permettre d'escalader. Escaladons. Il y a un truc qui brille dans le ciel, est-ce que c'est normal? C'est une luciole? Ah, c'est peut-être une luciole. Un arc de soldat. Hey, je prends, c'est là, ça traîne. On va pas s'en priver. Hein. Tu me vois pas? Tu me vois pas? Tu me vois pas, je suis au-dessus. Surveillons les alentours. C'est haut, c'est haut. Très très haut. Allez Link, tu peux le faire. On y est presque. Ok. La tour est juste en face. Pourquoi faut-il qu'il fasse froid? Ok, il y a de la saleté partout. Ok, il y a un machin qui patrouille. Est-ce que c'est le seul à patrouiller ou est-ce qu'il y en a d'autres? Jusqu'où est-ce qu'il va? Il y a un coffre. Ça a l'air d'être le seul. Tombe pas, Link, tombe pas. Il s'est passé là, pourquoi t'es tombé, Link? J'aurais bien cherché ce coffre, mais est-ce vraiment une bonne idée? De toute façon, je n'ai pas l'air de pouvoir monter par là. D'où? Ah, c'est un archer. Meurs! Il est trop résistant. Flèche de feu!
C'est bon, il est mort. Un archer, quoi. Tout ça pour 5 flèches explosives, mais vous êtes sérieux? Je risque ma vie pour 5 flèches explosives? Ok, je pense qu'il faut que j'arrive en face. Ok. Alors, je ne sais pas à quoi ça m'avance, mais en tout cas, c'est fait. C'est trop bas là, je vais toucher. Il faut que je reprenne de la hauteur. Hein. La hauteur, c'est toujours bien. Bon, faut pas s'inquiéter des gardiens, ils ont pas l'air de venir par là. Ce qui est plus inquiétant, c'est le truc rouge, quoi. C'est cette merde, quoi. Est-ce que vous croyez que ça passe? On dit que ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe large. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Idéalement, il faudrait que je le tue. Il est cosse, toi. Il est mort. Ok, je peux me permettre de descendre pour récupérer tout ça. Idéalement, il faudrait peut-être que je mange un truc aussi. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Ah, on va manger ça. Ce sera très bien. Allez, mangeons un peu. Une pomme. Il n'y aurait pas d'autres méchants yeux à tuer. Ok, moi je récupère ça. 100 rubis, je prends avec grand plaisir. Rien d'autre? Salut. Aïe. Ok, la prière. Je te protégerai. Elle sert à ça, faut pas s'inquiéter. Il est mort. Il est pas mort. Bon, par où est-ce que je peux monter, moi? Parce qu'il y a cette saleté partout. Par où je peux monter? Attendez, il est pas en train de se mettre à pleuvoir, quand même. Oh non. Évidemment. Évidemment qu'il se met à pleuvoir, juste pour me faire chier. Ah.
Ah, et là, c'est là où j'ai tué l'archer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre œil à tuer? Oula, ouh, ça va, c'est beau. Meurs. Hey, coucou Zed. Comment ça va? Parce que là, je peux pas l'escalader, hein, la tour. Ouais, ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. J'ai des soucis pour monter en haut de ma tour, mais sinon, ça va, ça va. Ah, mais non, mais Link, Link. Attention à ce que tu fais. S'il te plaît. En vrai, si je peux monter là-dessus... Là, on devrait être bon. Ouais, 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 ça passe. Ça passe. Ça passe. Il est sorti depuis 2 jours, du coup je vais devoir m'entraîner à danser. Oh, cool! Entraînement intensif alors! Ah hey! Bon, bah c'est bon, nous en tout cas on a réussi à monter sur notre tour. C'est cool. Ce fut compliqué, mais... On y est! Oui et non! Ah! Mais c'est oui ou c'est non du coup? Si c'est oui et non? C'est compliqué, un oui et un non en même temps. Allez, grimpe. Je suis aussi en vacances. Ah, bah faut aussi profiter des vacances, du coup. S'entraîner, mais profiter aussi des vacances. Ouais, du coup, d'où le oui et non. Tu vois, j'y vois. Mais c'est qui m'a fait peur, lui? Examiner. J'imaginais, il serait toujours en vie? Ça aurait été problématique? Emikana, merci pour ton follow, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, je m'entraînerai sûrement que 10 heures par jour. Que 10 heures? Bon, je trouve que ça fait déjà beaucoup 10 heures, mais bon, si c'est que 10 heures... Ah, et le petit épée qui va avec. Et la petite map. Acquisition des données locales. Acquisition. C'est que 10 heures. Ok. Ah, que 10 heures. Et ben voilà une nouvelle zone de découverte. Carte de la zone enregistrée. Parfait. Quand je travaille, normalement, je dois faire 14 heures. Ah ouais, effectivement, du coup, que 10 heures. Là, ça fait 4 heures de moins. Voilà, on... Vous croyez qu'on peut sauter jusqu'au sanctuaire? Ça me paraît un petit peu loin, mais peut-être faisable. Non, il y avait celui d'en bas. Lui, on peut carrément sauter jusqu'à lui. On va sauter jusqu'à celui-là. Youhou!
on saute jusqu'à ce sanctuaire. Il y a des sanctuaires partout. Et quand je tryhard, c'est 20 h. Oh, pas dit donc. Oh, pas dit donc. Eh ben, honnêtement, t'as tout mon respect. Parce que 20 h, ah, c'est énorme. Eh ben, c'est du boulot, hein. Moi, je dis GG à toi. Non, mais du coup, profite quand même de tes vacances. 15 minutes, pause, miam, miam. Ouais. Allez, on va faire ce petit sanctuaire. Du coup, effectivement, c'est que 10 heures. Je vois, je vois. Que 10 heures. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. Ah. Ah bah attendez, non là c'est bon. Je passe là. Hop. Oula. Ok, ça reste pas très longtemps. On va pas se mentir. Flèche normale. Comment je récupère le coffre? Comment je récupère le coffre? Il pouvait pas me mettre un coffre magnétique? Et en bas, c'est l'espace intersidéral. Faut quand même pas que je saute sur le bidule au bon moment, quand même! Ah, ou alors que je le bloque. Attendez. Là, il va revenir. Je le sens tellement mal. Je vous préviens, on va mourir pour un coffre. Hein. Il y a intérêt d'y avoir quelque chose d'incroyable dans ce coffre. Ah non, je peux pas. Ils sont sérieux? Comment on est censé récupérer ce coffre? Je le tente une fois, pas deux, parce que je le sens vraiment... Pas du tout! Oui, non, c'était sûr. Là, là, je vous avoue que je vois pas comment on est censé le récupérer. Tant pis, au revoir le coffre. Là, je vois pas trop, mais bon.
galérer. On va galérer comme des ouf. Avec les... Non, non, il est pas aimanté le coffre, malheureusement. Ok, il y en a deux, mais il en manque un troisième. Mais comment on est censé réussir des trucs comme ça? Ils sont fous! Attendez, je crois qu'il me faut déjà les trois boules en haut, en vrai. Ouais. Oh, mais là... Là, ça va être chaud. Ok. C'est une épreuve de malade. On est bien là. Mais non, mais pourquoi il y a quelqu'un qui bouge? Non! Non. Oh, mais quelle merde! Qu'est-ce qu'ils sont allés nous faire des trucs comme ça? Hop. On est bien, on est bon! Mais c'est quoi ces épreuves de ouf? La coéquipier, il travaille 8 heures sur ses danses. Il dit qu'il travaille trop. Ah bah comparé à toi, j'avoue qu'il travaille pas beaucoup, mais après c'est... En vrai ça fait déjà beaucoup hein, 8 heures. Non mais le coffre, ça m'embête parce que je vois pas comment est-ce qu'on le récupère. Hein. Parce que le bidule qui tourne, je ne peux pas le figer. Je peux le figer, mais ça sert à rien. Non. Mais j'ai trompé de touche. Non, là, honnêtement... C'est mort. Tant pis pour le coffre. Hein. Je vous rappelle, on fait pas forcément le 100%. J'aime bien récupérer tous les coffres, mais là... Là. Moi, ça me fait drôle. Ah! Ok! Et c'est notre quatrième? Mais c'est magnifique! C'est notre quatrième! Compliqué pour sa fille. Ouais, bah là, oui, il est là. Là, honnêtement, je vois pas pour ce coffre. S'il faut faire comme j'ai essayé de le faire et sauter sur le bidule pendant qu'il bouge, je... C'est chaud, hein. Ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Et ben voilà un sanctuaire de plus qui est fait en tout cas. Un peu des trucs à ramasser ici. Hop, des petits fagots de bois, on prend. On est bien au relais. Une torche. Des moutons. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Quoique, attendez, non, on va vite fait aller stepper. Ouais, nous, notre destination, c'est par là. Hein. On va vite fait aller se TP. C'est où? Village Cocorico! Parce qu'on aime bien aller au village Cocorico. On va aller voir la fée déjà, voir si on peut pas améliorer un petit peu nos tenues.
Bien que je ne crois pas. On va vérifier quand même. On va aller voir ensuite la statue pour prier pour avoir un petit cœur en plus. Et puis c'est là-dessus ensuite qu'on va se laisser. Yep, yep. Ce sera pas mal pour aujourd'hui. Alors. Est-ce qu'elle aurait pas des. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites fées à récupérer aussi? Parce que je serais pas contre des petites fées. Ah, ouais. Les fées, c'est bien. Les fées, c'est la vie. Les fées et la prière de Mifa. Il y en a. J'en vois au moins deux. Il y en a trois. Donnez-moi. Il y en a quatre. Oh là là. Ça en fait deux. Là, il y en a une petite troisième. Viens, petite fée. Ok, il y en a une petite quatrième là. Viens, petite fée, je suis ton amie. Attendez, elle est trop haute. Non, 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 non. Eh, faut arrêter ça. Hein. Descends. Ah, voilà. Eh, faut arrêter avec les fées qui volent à 20 km au-dessus du sol, là, parce que... Comment je les récupère, moi, sinon? On prend les carottes, on prend les fleurs, on prend tout. Hein. Tout type de ressources. Et bonne à prendre. Oui. Ok. Je suis heureuse. Veux-tu que je renforce tes vêtements? Oui, vas-y. Du coup, on a dit que pour le bandana d'escalade, il me faudrait des lézards tempo. Il me faut des perches d'Hyrule pour la tenue de Zora. Ça, il me faut écailles de... Éclat de corne. Et sa corne de linelle. Alors là, la corne de linelle. Ok, bah écoute, tu peux me renforcer aussi la capuchilienne. Et ben, je t'en prie, vas-y. Renforce. Je prends. Petit bisou. Ah, j'ai plus de compo, on peut plus rien renforcer pour moi. Pour le moment. On renforcera d'autres choses. Ok. D'ailleurs, du coup, en termes d'armure, maintenant, la capuchilienne est bien plus intéressante. Ok. Là, on commence à avoir une armure intéressante. C'est bien. C'est très très bien. On va aller chercher un petit cœur en plus. Ouais, je vais prendre un cœur. On va prendre un cœur. La prochaine fois, on prendra de l'énergie. L'énergie aussi, c'est quand même important. Mais là, je veux de la vie. La vie. La vie, c'est particulièrement important. Non, puis il y a tellement de choses qui nous font super mal. Qu'un peu de vie en plus, ça nous fera pas de mal, hein. Je veux un cœur en plus, s'il te plaît. Merci. On aura fait pas mal de sanctuaires hein, aujourd'hui. Deux petits cœurs en plus. Pouf! Ouais, on va ramener la paix en Hyrule. Et ben voilà, les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On n'a pas avancé dans l'histoire, mais on a fait un peu du secondaire. Faut aussi le faire. Faut des cœurs. Faut de la vie. C'est important. Sinon, on va avoir du mal. Faut renforcer aussi nos vêtements. Faut trouver toutes les fées pour pouvoir renforcer nos vêtements. C'est aussi très important. En tout cas, moi, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et sur ce, eh bien... Bye bye!